monde, voici à nouveau avec l'archange Gabriel pour obtenir des messages de sa part. Alors voilà, je suis Gabi de l'univers et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour pouvoir vous parler, vous faire passer mes messages. Mais comme ce est vide à l'écran, il faut bien faire une petite animation. C'est pour cela que l'on prend les cartes pour pouvoir faire une animation. Alors voilà, Marie-Hélène, tu peux prendre ce jeu et faire une animation, mais ça ne va pas m'empêcher de faire passer mes messages. Sauf que ça prend un peu plus de temps. Alors voilà, nous disons bonjour à tout le monde, nous espérons que vous allez bien, nous souhaitons la bienvenue au nouveau et nous vous remercions pour votre présence. La connexion, Gabi. Ça, je prends tout ou que le dessus? Qu'est-ce que tu en penses, Kimi? Moi, j'en sais rien. La connexion, vous êtes connecté avec quelqu'un, vous allez fêter vos retrouvailles et ça va vous mener vers quelque chose de nouveau. Est-ce que je prends celle du dessous ou pas? Pas forcément, mais tu peux. Oui, alors non, pas forcément, mais tu peux. C'est ça que tu dis? Oui, alors non, pas forcément, mais tu peux. Ah, bon, je les prends alors. Allez. Oula, ben, j'aurais pas dû. Ah bah si, alors là, l'ouverture, les nouveaux repères, les espoirs, c'est parfait. Alors là, la toxicité, là, Gabi, ça va pour ça. Oui, alors c'est pour ça que je voulais tirer comme carte, je voulais tirer l'inverse. Mais comme c'est celle-ci qui est sortie, eh bien, on va faire avec celle-ci. Donc voilà, ce que j'ai à dire pour les amis qui regardent la vidéo, c'est que vous êtes toujours connecté avec quelqu'un, que vous soyez ou non en relation avec, vous avez quelqu'un dans votre cœur que vous aimer et à laquelle vous pensez. Sauf que Marie-Hélène se dit que forcément c'est le cas de quasiment tout le monde. Donc c'est un peu facile à dire et puis patati et patata. Alors voilà, vous êtes connecté avec quelqu'un mais vous n'êtes pas forcément avec cette personne souvent. Même pour certains, vous n'êtes pas du tout avec cette personne dans la matière. Alors voilà, vous allez pouvoir sortir des quoi, Gabi? Des soucis que vous avez eus avec cette personne et fêter vos retrouvailles pour pouvoir avoir de nouveaux repères et une ouverture sur un nouveau chemin avec qui va vous donner de l'espoir pour votre futur. Alors Marie-Hélène, tu peux continuer avec ce jeu. D'accord. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Donc, ce sont des guidances générales, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Un imprévu qui va arriver pour vous avec cette personne, Gabi? Oui, alors pas forcément, mais il y a de grandes chances que oui. Ah, tu te mouilles jamais. En fait, c'est trop facile. Moi, presque, je pourrais dire la même chose. Alors là, Marie-Hélène, tu vas pas m'énerver pour l'instant, car effectivement, tu pourrais dire la même chose puisque c'est moi qui parle à ta place. Et voilà. Bon, allez, un imprévu pour les amis qui regardent la vidéo. Est-ce que tu peux en dire plus, Gabi? Est-ce que je change de jeu? Qu'est-ce que tu en penses? Un imprévu qui va vous mener vers un voyage? Oui, alors non, pas forcément, mais peut-être. Vous allez pour certains gagner un voyage. Et bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et pour d'autres, ah bah ça y est, vous sortez des dépendances. Et pour d'autres, vous allez vivre une belle relation. Bah, de toute façon, pour d'autres, non, pas forcément pour d'autres. La belle relation, c'était pour tout le monde. Vu qu'il y avait la connexion, Gabi, qu'est-ce que tu racontes? Alors voilà, les amis, on avait envie de vous distraire un peu, c'est pour ça que ça démarre n'importe comment avec Marie-Hélène qui n'y connaît rien. Alors maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Il faut savoir que vous êtes connecté avec quelqu'un à laquelle vous pensez sans arrêt depuis très très longtemps pour la plupart d'entre vous, et cette personne-là va finir par revenir dans votre vie, peu importe de la manière dont elle va revenir, ni peu importe qui va contacter l'autre, cela n'a pas d'importance, cela va se faire et puis c'est tout. Vous verrez bien ce qui va se passer. Cela peut être par l'intermédiaire d'un imprévu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, qui va vous rapprocher, car vous devrez vous contacter pour X raisons. Pour d'autres, vous pouvez tout à fait vous croiser par hasard dans la rue, etc., etc. Et pour d'autres, nous allons vous manipuler l'un ou l'autre pour que vous preniez contact les uns avec les autres et que cela redémarre dans votre vie. Sauf que pour vous faire la surprise, nous n'allons pas vous donner de date. Mais il faut savoir que c'est assez rapidement que cela va se passer. Et pour ceux qui regardent les vidéos de Marie-Hélène, nous sommes bien évidemment d'accord sur le fait que ça doit se passer cet été. En tous les cas, au moins les prémices d'un début de recontact. Ah bah tout ça, Gabi, bah dis donc, tu m'en dis aujourd'hui. Sauf que Gabi, tu nous as dit dans plein de vidéos que c'était cet été, que là on arrive à la fin d'été et que visiblement rien ne se passe pour personne.
Demeurez positif, les amis. Ça va se passer comme le dit le Gabi. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez à l'autre personne, Gabi, parce que toi, tu le dis, c'est bien ce qu'ils veulent. Des relations profitables arrivent pour vous. Des relations profitables. Bon, je continue. Tu vas me dire après ce que tu en penses. Ou ce que tu vas en dire, pardon. Alors, vas-y, dans un an, je sais ce que tu vas dire, que dans un an, tout sera mis en place, dans un avenir rapproché, l'autre personne va vous contacter, ou vous allez la contacter, c'est ça, Gabi? Oui, alors, pas forcément, Marie-Hélène, tu en as marre de que je dise toujours pareil et que rien ne se passe pour personne. Exactement, Gabi, tu as tout compris. Alors, voilà, les amis, restez positifs, et dites bien ce que vous souhaitez, car c'est nous qui vous le faisons dire, Vous allez avoir des relations profitables qui vont arriver dans votre vie dans un avenir très rapproché. Et dans un an, tout sera mis en place pour votre nouvelle vie. Je le dis, je le répète, je l'ai déjà dit, je le répète. Mais comme tout le monde est en attente, il faut bien vous faire patienter. Je pense que ce jeu-là, c'est ça. Oh là là. Allez. Gabi, qu'est-ce que tu as à dire de plus? Ça? Tout va se passer dans la bienveillance, le respect et la fidélité. Alors, il y a une personne, les personnes étaient restées dans l'ombre l'une de l'autre, c'est ça? Oui, alors pas forcément, il y a encore des ex qui rôdent et il ne faut pas les écouter. Et surtout, ne pas rester en contact avec, car c'est ça qui pourrit les relations dans les nouvelles relations avec les nouvelles personnes. Si quelqu'un est avec son ex, évidemment que ça met le bazar pour la personne qui arrive de nouveau dans sa vie. Donc, il faut faire attention à ça. Bien évidemment, on ne peut pas toujours couper des ex totalement à cause des enfants. Mais en dehors de ça, il faut laisser les ex à l'écart et non pas les intégrer dans notre vie, dans votre vie. Alors voilà, Marie-Hélène, tu peux continuer. D'accord. Allez, allez, Gabi, allez. Pourquoi tu peux dire ça? Ça va? Ouh, bah, une belle surprise. Allez, Gabi, qu'est-ce que tu as à dire avec ton admirateur? Alors voilà, Marie-Hélène, il y a des gens qui sont admirés par quelqu'un, mais ils ne le savent pas. Cette personne est restée dans l'ombre bien souvent. C'est-à-dire qu'elles aimaient les personnes qui regardent la vidéo ou l'inverse, vous, ou qui regardaient la vidéo, être resté dans l'ombre de quelqu'un que vous aimiez, et vous allez avoir une belle surprise de la vie, car tout là, cela va pouvoir se décanter. Les déclarations d'amour vont pouvoir se faire, se réaliser, et chacun va pouvoir s'exprimer et s'affirmer pour dire à l'autre ce qu'il pense vraiment, ce qu'il a sur le cœur, et pourquoi cela n'a pas pu se faire avant, pourquoi vous n'avez pas pu échanger avant les uns avec les autres. En effet, chacun avait ses problèmes d'un côté ou de l'autre, et cela n'a pas tourné toujours dans le bon sens, pour les uns ou pour les autres. Alors voilà, tous ceux qui regardent la vidéo ne sont pas dans cette situation, bien évidemment. Alors il faut savoir que cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont toujours dans l'attente de quelqu'un qu'ils ont aimé par le passé et qui est toujours éloigné et qui n'a pas de contact direct avec la personne, si ce n'est par la pensée. Alors pour ces personnes-là, je peux vous dire qu'elles vont bientôt se reconnecter dans la matière, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir enfin échanger sans être masquées, déguisées, planquées, etc., etc. Vous allez pouvoir échanger en sachant, en voyant l'autre, en étant avec l'autre, et pour certains même en pouvant identifier l'autre. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se sont déguisées, masquées, et qui vous surveillaient par rapport à... Qui ne vous parlait pas, mais qui restait à surveiller votre vie. C'est-à-dire que vous ne saviez pas que cette personne regardait ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux, par exemple, ou peu importe, ou même certains peuvent vous contacter en étant non identifiable. C'est une manière de procéder qui est abjecte, c'est ça que tu veux dire? Oui, alors non, pas forcément, qui n'est pas très sympathique, qui est même... plus ou moins ignoble
Peu importe comment vous pouvez ressentir cette chose, évidemment cela ne fait pas plaisir d'être espionné ou qu'on vous contacte en étant masqué sous une autre identité. Cela fait souffrir la personne si elle s'en rend compte, et si elle ne s'en rend pas compte, c'est de la manipulation limite perverse. Alors voilà, il y a beaucoup de gens qui ont agi ainsi, et c'est ainsi car nous les avons fait agir ainsi pour que ces personnes puissent quand même penser à vous d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir que ces personnes ont été manipulées et donc qu'on ne peut pas tout leur reprocher, c'est ça? Oui, alors non, pas forcément. Qu'on ne peut pas tout leur mettre sur le dos car elles ne sont pas entièrement responsables de ce qui s'est passé. Certaines personnes se sont... Tu cherches tes mots, Gabi? Oui, alors non, pas forcément. Certaines personnes se sont... Quoi, Gabi? Embarquées, c'est ça? Dans une situation compliquée, que ce soit vous qui regardez la vidéo ou l'autre personne en face, peu importe. Il y a eu des situations qui ont été compliquées des deux côtés, avec plein de bâtons dans les roues, par des énergies tierces, de l'entourage, etc., etc., des expériences tierces, enfin des expériences que vous deviez vivre d'un côté ou de l'autre, qui ont un peu mis le bazar et mis en stand-by votre relation dans la réalité, dans la matière. Vous ne pouviez que rester en contact par la pensée. Et la pensée, c'est nous qui vous la faisions avoir, bien évidemment. Que ce soit dans la pensée, dans la vie de tous les jours, en étant éveillé, mais aussi par les rêves. Nous vous avons fait beaucoup rêver de certaines choses qui pouvaient vous faire penser à l'autre. Alors voilà, les amis qui regardaient cette vidéo et qui êtes dans cette situation, sachez que tout cela va bientôt se débloquer. Et quand je dis bientôt, c'est bientôt, et pas en tant d'archange, mais bien en tant d'être humain. C'est-à-dire que c'est pour cette année, bien évidemment, y compris pour ceux qui n'y croient plus du tout. Alors, il va y avoir beaucoup de déblocages en été, même si l'été est presque terminé, il n'est pas terminé, donc gardez espoir, cela va venir. Alors voilà, je dis bisous bisous à tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.